Donne-moi la force de te servir jusqu'au bout. Oh Jésus. Jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout. Oh Yahvé. Parce que Jésus, tu as servi le Père jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu as servi ton Dieu jusqu'au bout. Oh Seigneur, que ces sentiments soient dans nous. Que ces sentiments soient dans nous. Oh Yahvé, de servir jusqu'au bout de tout notre cœur. De tout notre cœur. Oui Jésus, tu nous as montré l'exemple. Oh, nous nous inclinons devant ta sainte vie. Nous inclinons devant ta bonté. Nous inclinons devant ton amour. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh yes. Alléluia. Merci Jésus.
Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon en tout temps. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait est bon. Amen. Amen. Floris, sois fortifié. Amen. Je ne vais t'appeler. Gloire à Dieu, tu es là. Maurice est en deuil, elle a perdu sa mère. Et Sandy a perdu sa grand-mère. Donc, après le culte, allez vers elle. Ne soyez pas indifférents. Amen. Amen. Continuons le thème du mois. Le thème de ce jour, l'Église, une maison de prière. L'Église, une maison de prière. Amen. 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 Sois béni, pasteur. L'Église, une maison de prière. Je vois que tout le monde n'est pas en contact de sa Bible. Change, ancien. Laisse la tête ouverte, passe à la parole. Matthieu 21, le verset 13. Amen. Amen. Tout le monde y est. Matthieu 21, le verset 13, ancien. Je lis la parole de Dieu. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Amen. 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 Amen à la parole. Amen. Amen. Et il leur dit, je commence dans le verset 11, une bonne compréhension. Au verset 10, lorsqu'il entra dans Jérusalem, c'est Jésus, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et c'est pas normal. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec moi que c'est pas normal que la maison du Seigneur devienne une caverne de voleurs? Bien-aimé, ici, Jésus se met en colère. Il se met en colère et c'est une colère sainte. Alléluia. Ce n'est pas une mauvaise colère, c'est une colère sainte. Il n'a pas injurié, il n'a pas donné des mots déplacés. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne faudrait pas que quand le pasteur dit que Jésus s'est mis en colère, maintenant, c'est permis que toi, tu te mettes en colère à chaque instant.
Non. Alléluia. Amen. Une colère sainte pour les choses de Dieu. Ici donc, Jésus se met en colère, car le temple de son Père est dans une atmosphère de trafic, une atmosphère de commerce. Alléluia. Amen. Ce n'était pas une bonne atmosphère, parce que Jésus ne faisait pas les choses au hasard. Alléluia. Amen. Donc, ces gens bien-aimés, ces gens qui vendaient dans le temple de Dieu, avaient transformé le temple de Dieu en un endroit de commerce, en un endroit de trafic. Et ce n'était pas du tout normal. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous transformons l'église pour faire autre chose, Jésus n'est pas content. Jésus est triste. Jésus est triste lorsque nous transformons le temple, l'église, en autre chose. Voilà pourquoi il s'est mis en colère et il a chassé tous ces vendeurs, tous ceux qui faisaient le trafic. Il les a mis hors. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu dois être animé du même zèle pour la maison de Dieu, pour l'église de Dieu. Tu dois être animé du même zèle. Bien-aimé, la maison de Dieu n'est pas là pour, je ne sais pas, pour faire n'importe quoi, pour amener le désordre. Non, bien-aimé. Le désordre ne doit pas se passer dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Le commerce, le trafic ne doit pas se passer dans la maison de Dieu. Quand tu viens, même si peut-être tu vas là-bas, mais c'est pas, tu ne viens pas d'abord pour ça. Amen. Amen. Que c'est maintenant ça, c'est ce qui est la motivation. De venir à l'église parce que tu aurais un peu d'argent. Non. Amen. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas qu'on transforme sa maison pour faire le trafic, le commerce, les tontines. L'argent. Non. Alléluia. Amen. Comme ça se passe ailleurs. Gloire à Dieu, ça ne se passe pas ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne se passe pas ici. Et par la grâce de Dieu, on veillera toujours pour que la maison du Seigneur, Arema et Fata, ne deviennent pas une caverne de voleurs, une maison de trafic. Alléluia. Amen. Vous me voyez en tant que maman, pasteur, dans les ambiances, on va faire ci, on va faire. Non, bien aimé. On doit se concentrer sur l'objectif du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé. La prière est le travail le plus essentiel de l'Église. La prière est le travail le plus essentiel de l'Église. Bien-aimés, nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir Dieu faire de grandes choses dans son temple. Bien-aimés, il ne faudrait pas qu'il y ait du mélange dans son temple. Il ne faudrait pas qu'il y ait du mélange. On mélange les choses de Dieu et on mélange aussi le trafic du monde. Non, bien-aimé, on fait le trafic hors de l'église. Alléluia. Amen. Le trafic se fait hors de l'église. Il fut un temps où c'était maintenant la mode. C'était maintenant une certaine mode. Les produits que les étrangers amènent souvent là, les Edmar et tout ça là, les aloe vera et quoi. C'était maintenant l'ambiance où on dans l'église, où on, et Dieu était là. On s'est en train de nous observer. Il ne se va penser de mentir. Amen. Amen. Il ne se va penser de mentir. Hors de l'église. C'est pas dans l'église. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devenons des voleurs quand nous utilisons l'église, quand nous n'utilisons pas l'église comme Dieu le veut. Quand nous transformons l'église en caverne de voleurs.
ça, Dieu ne le permet pas. Dieu se retire, le Saint-Esprit se retire. Lorsque cette atmosphère fait dans l'église, il avertit. Et si on n'est pas obéissant, si on ne se rectifie pas, il se retire et nous restons avec nos chants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Répétons ensemble. Je ne transformerai plus l'église de Dieu en caverne de voleurs. Je ne transformerai plus l'église de Dieu en caverne de voleurs. Amen. 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 Je nous amène quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour que nous ne transformons plus l'église de Dieu en caverne de voleurs, bien-aimés, nous devons la transformer en maison de prière. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce temple, cette église, c'est le lieu où on n'a même pas besoin d'attendre les temps de réunion. Quand tu veux te ressourcer, tu viens. Alléluia. Amen. Quand tu veux te ressourcer, tu viens pour élever la voix, pour prier, pour rencontrer le Seigneur. Oui. Alléluia. Amen. Parce que ici, c'est l'autel de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'étais heureuse d'entendre un témoignage le vendredi. Un frère, je ne dirais pas son nom, lorsqu'il est venu à la prière, il s'est senti bien, lui-même, il se reconnaît. Alléluia. Oh. Amen. Il s'est senti bien là, en paix. Amen. Amen. Et je bénis les seigneurs pour ceux qui sont venus à la prière le vendredi. Qui est venu le vendredi? Et que je vais vous poursuivre. Amen. 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 Mais moi, je connais les gens qui sont venus. Moi, j'étais bloqué à Ouindjé là. J'étais maintenant bloqué. Et comme le dealer est arrivé, je dis, ah, Seigneur, pardon, je retourne. Je connais. Je sais qu'elles sont été à la prière. Alléluia. Amen. Je connais tous ceux qui sont venus. J'ai demandé à la personne qui a dit. Amen. Amen. On va maintenant faire la liste. La maison du Seigneur n'est pas une caverne. Ah, c'est une maison de prière. La liste. Alléluia. Amen. Oui, la liste. Le Seigneur va vous enlever de vos maisons. Quand je vois les autres églises là-bas, pleines le vendredi, que ça soit le vendredi, que ça soit le mercredi, que ça soit. Ils sont pleins. On vous a tellement fait le cadeau. On a tellement compris. Oh non, on ne va pas vous surcharger. Maintenant, quand on ne surcharge pas, c'est ce qu'on se disait avec le pasteur, justement. Quand on ne surcharge pas, les gens prennent de bonnes habitudes. Oh! Alléluia! Oh! Amen. Qui était encore là même quand je dis? Gloire à Dieu pour Andy. Oui, Judas, gloire à Dieu. Mireille, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Marie. Toi, tu n'avais pas besoin de toi, tu es fidèle, maman. Alléluia. Amen. En dehors de ceux qui appellent quand ils ont des boulots, comme maman Thérèse, je félicite cela. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. On continue. Amen. Amen. Bien-aimé, les chrétiens d'aujourd'hui ne réalisent pas. Et ça, c'est un plan du diable. Que d'aller seulement les dimanches à l'église. Oh, bien-aimés, écouter les messages et abandonner les réunions de prière est une tromperie du diable. C'est une tromperie. Bien-aimés, je vous dis que le jour que nous serons pleins, comme nous sommes là, les vendredis, assidus, les grandes choses se passeront dans nos vies. Les grandes choses se passeront dans l'église. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ouvre les écluses des cieux à ceux qui payent le prix. Amen. Dieu ouvre les écluses des cieux à ceux qui payent le prix. Alléluia. Amen. Si tu veux que tes écluses des cieux soient constamment ouvertes, bien-aimé, paye le prix. Paye le prix. Paye le prix pour venir. Bien-aimés, élevez la voix avec les autres. Le jour de prière. Je bénis le Seigneur pour l'ancienne Gisèle. Il n'est pas là ce matin. Elle revient de Corazine. Mais mon Dieu, elle est là. Elle est
là ce matin pour les soucis de santé. Et Dieu a déjà étendu sa main. Alléluia. Je bénis Dieu pour l'ancien qui filme. Toujours vendredi. Il faut encourager. Quand les gens viennent, il faut encourager. Amen. 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 Alléluia. Amen. On fait des efforts. Je bénis Dieu. Non, mais quand ils viennent là, je vois la licence, je dis Seigneur. Et ils n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas de voiture, mais ils payent. Ils habitent, ils sont à Essassa. Si ce n'est pas lui qui vient, la femme vient. Parfois les deux viennent. Et je sens souvent que quand elle, ceux qui arrivent, ça veut dire que l'argent là, il n'y a plus assez d'argent. Amen. Amen. Alors il faut alterner. Alléluia. Amen. Donc, c'est une tromperie du diable, bien-aimé. C'est une tromperie du diable. Parce que la prière, comme je le disais tantôt, est le travail essentiel de l'Église. Et ça, l'Église primitive, bien-aimé, l'accomplit. Il ne jouait pas avec ça. Et ça aussi, dans les temps de réveil, comme je disais même à l'homme de Dieu, à l'âge que j'ai là, j'ai toujours assisté, bien aimé. J'ai combien d'années de conversion? Peut-être 30 et quelques, 30 et 86. 37, 38. Toujours fidèle en prière. Toujours fidèle. Et toi qui es jeune aujourd'hui là, tu te fatigues, tu ne viens pas. Moi j'ai commencé à respecter les heures de prière, les réunions de prière, lorsque j'étais jeune comme toi. 18 ans. Amen. Amen. La prière, c'était pas seulement les dimanches. La prière, je fais, on allait. Et c'est pour cela que nous sommes bâtis aujourd'hui. Même ce qui peut me pousser à m'énerver comme quoi, bien aimé, il y a la maîtrise. Je ne me maîtrise pas parce que je suis super spirituelle ou quoi. J'ai les mêmes sentiments. Nous avons tous les mêmes sentiments. Il y a des choses pour lesquelles j'ai le droit de me mettre en colère, mais je dis non, je ne me mets pas là en colère. Pourquoi? Parce que Dieu a bâti, il nous a bâti. Il nous a bâti. Alléluia. Amen. Nous l'avons vu la semaine dernière, la prière impacte les vies. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons donc le refuser. Nous devons refuser d'être les chrétiens du dimanche. Comme je vous parle tous les jours, l'église de notre fils qui est là aux âmes, ils sont toujours là. Et ils n'ont pas d'occupation. Ils n'ont pas d'occupation, ils ont des occupations, mais ils ont mis Dieu devant. Quand tu mets Dieu devant, quand le Seigneur est ta priorité, quand le Seigneur demeure, reste, le Seigneur peut commencer à être ta priorité, mais ne plus être au fil du temps. Cette priorité-là. Alors nous devons nous battre pour que toute notre vie, il soit toujours notre priorité. Il soit toujours notre priorité. Ce ne sont pas les affaires, ce n'est pas le travail. En dehors vraiment de je sais qu'il y a un genre de travail. Je le sais. Mais ça ne doit pas être une raison, ça ne doit pas être une excuse. Alléluia. Amen. Acte-toi. Acte-toi à partir du verset 1. La parole de Dieu déclare, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement,
s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. 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 Oh, bien-aimés, vous voyez, on nous dit au verset 1, « Pierre et Jean montaient ensemble au temple. » Alléluia. Amen. À l'heure de la prière. Donc, il y avait une certaine heure au temple où c'était la prière. Alléluia. Amen. Et ils respectaient cette heure-là. Ils respectaient l'heure de la prière. Alléluia. Amen. Et parce qu'ils respectaient l'heure de la prière, bien-aimés, ils ont trouvé cet homme boiteux de naissance. Alléluia. Le verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose, comme il avait l'habitude de recevoir. Mais, mais ce jour-là, il devait recevoir plus de ce qu'il avait l'habitude de recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour dire qu'à l'heure de la prière, bien-aimé, oh, des grandes choses peuvent se passer. Alléluia. Bien-aimé, c'est dans les réunions de prière, bien-aimé, que nous pouvons enfanter des miracles. Alléluia. C'est à l'heure de la prière, c'est dans les réunions de prière que nous pouvons enfanter des prodiges. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Bien-aimé, c'est la vérité. C'est la vérité. Comme je le disais tantôt, si nous respectons l'heure de la prière, comme nous sommes là, les dimanches, là, non plus aussi, non plus. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu ne pourra pas faire parmi nous? Qu'est-ce que Dieu ne pourra pas faire au milieu de son peuple? Qu'est-ce que le Seigneur ne pourra pas faire dans son église? Alléluia. Amen. C'est à l'heure de la prière. C'est à l'heure de la prière, bien-aimé, qu'ils ont accompli ce premier miracle. Alléluia. Amen. C'est à l'heure de la prière. Bien-aimés, supposez qu'ils sont restés. S'ils étaient restés chez eux, dire que nous, on va prier à la maison. Ils auraient accompli ce miracle. Je t'ai une question. Est-ce qu'ils auraient accompli ce miracle? Non. Bien-aimés, nous devons respecter l'heure de la prière. Au temple. Tu dois respecter l'heure de la prière chez toi. Tu dois aussi respecter l'heure de la prière au temple.